Eh bien, yo les gens, yo le pote, aussi Bobby the Boy. Ben, ça te peut être une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 31 octobre. Et qui dit 31 octobre dit le jour d'Halloween. Du coup, aujourd'hui, ça te peut être une vraie story time. La fois où quelqu'un m'observait, voilà, c'est une vraie story time qui s'est passée il y a 3 ans, cela. Pendant les grandes vacances, en plus. Et ce jour-là, pendant les grandes vacances, on était en train d'aller à Paris, car oui, et ben, on allait. Pour une grande vague, on allait y aller à Paris. Du coup, je vais vous raconter une histoire assez flippante qui m'est arrivée. En fait, tout a commencé. Ma famille était allée faire les comptes. Moi, j'ai pas voulu. Je voulais un peu geeker sur mon téléphone portable en train de jouer à Clash Royale. Voilà, du coup, je suis restée à la maison. Du coup, oui, à Paris, j'ai pris une maison. Du coup, c'était pas un appart, c'était une maison. Oui, j'étais tout seul. Déjà, tout seul à la maison, c'est pas une bonne idée. Car c'est assez flippant. J'étais en train de jouer à Clash Royale tranquillement pendant 1 ou 2 heures. Pendant 2 heures, tout se passait bien, etc. Jusqu'au jour, enfin jusqu'à l'heure là où on m'appelle. C'est assez flippant. On m'appelle et c'est écrit inconnu. Du coup, je ne connaissais pas évidemment. Je ne sais pas si t'as répondu à un numéro de téléphone. Du coup, je ne sais pas si bête. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai joué tranquillement à Clash Royale. Et soudain, j'ai reçu un message assez bizarre. Il m'a dit, je sais qui tu es. C'est assez flippant. Du coup, je l'ai ignoré. J'ai rejoué à Clash Royale. Et là, il m'a dit un truc assez bizarre et flippant. Il m'a dit, je sais où tu habites. C'est assez flippant là. J'ai flippé alors. Évidemment, j'ai bloqué la personne et j'ai rejoué tranquillement à Clash Royale. Et soudain, la personne m'avait appelé. Que je l'avais bloqué. What? J'ai bloqué le numéro et il m'a quand même appelé. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas s'il a des pouvoirs magiques, mais c'est assez flippant. Et je vous rappelle, c'est une vraie histoire. Du coup, j'ai joué tranquillement. J'entendais un bruit et ce bruit, ça venait du jardin. Du coup, je vous rappelle, j'ai vu à Paris, c'était dans une maison qu'on avait pris tranquillement. Ouais, du coup, qui dit maison dit aussi jardin. Du coup, j'ai entendu le bruit, bon j'ai ignoré, j'ai rejoué tranquillement. Mon téléphone avait plus de batterie. Et du coup je l'ai mis à charger. Et je regarde un peu la télévision. Et soudain j'ai entendu une deuxième fois ce bruit. Du coup ça m'a cassé les nerfs. Je suis allé voir. Et il y avait quelqu'un dans mon jardin. Il y a quelqu'un avec une capuche. Attendez, il était tout noir avec une capuche, etc. Déjà que c'est assez flippant. Et il est en train de me fixer avec ses gros yeux. Il est en train de me regarder par la fenêtre. Déjà que quelqu'un nous regarde par la fenêtre, c'était assez flippant, etc. Du coup, j'ai flippé. Et j'ai vu la voiture de ma mère qui arrivait. Du coup, elle avait fini les courses. Elle arrivait à rentrer à la maison. Et soudain, quand le mec avait vu ma mère arriver, il s'est cassé. Il a sauté au-dessus de la clôture. C'est un taré. Il s'est cassé. Le plus vite possible, il a couru le plus vite possible comme Flash. C'est assez flippant. C'est une de mes anecdotes les plus flippantes qui s'est passée. En plus, c'est une vraie anecdote. Et soudain, ma mère était rentrée avec les courses, etc. Et du coup, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais revu cet homme. Et je suis restée 2 semaines à Paris, du coup, pendant... C'était le 3e jour là où j'étais à Paris que j'avais vu l'homme. Et du coup, après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Bref, c'est la fin de l'anecdote. Et pas cette anecdote spéciale à l'une quand aujourd'hui on est le 31 octobre. Et pas cette anecdote spéciale à l'une. Vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous voulez plus d'anecdotes, etc. Comme ce truc-ci. Alors, c'était pas un anecdote, je crois que c'est un story time. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas les story time, c'est qu'on raconte des histoires flippantes du jour. Et du coup, je vous ai raconté cette vraie histoire assez flippante. J'espère que cette vidéo spéciale Halloween, spéciale 30 octobre, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sinon, c'était Bobby the Boy et ciao tout le monde.